Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, cher Eric, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les premiers adjoints, Emmanuel et Richard, Mesdames et Messieurs les élus, nombreuses et nombreux, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée, ravie, d'introduire cet événement, j'espère convivial, plus que Zoom, ça c'est sûr, autour de ce qui fut longtemps un projet d'urbanisme d'ampleur pour le 12e et qui désormais constitue un quartier à part entière de notre arrondissement. Les réussites du quartier de la caserne de Reuilly sont issues d'une association équilibrée des priorités essentielles des Parisiennes et des Parisiens. Des habitations accessibles à toutes et tous, étudiants, étudiantes, jeunes actifs, couples, familles. Des espaces verts ouverts. Cette opération de réaménagement et de réhabilitation est une première et particulièrement innovante et avec une ambition et des qualités qui sont jusqu'alors inégalées. Des commerces et des équipements essentiels au quotidien. Une crèche, une vie associative et commerçante de proximité dans un quartier à la fois accueillant et sécurisant. La preuve en est l'aménagement de la rue de Reuilly que vous avez, j'espère, découvert avec grand plaisir. Il n'en est qu'à ses prémices, mais nous espérons qu'effectivement elle soit aussi à la hauteur de ce projet. Tout ceci a été rendu possible par une politique municipale engagée aux côtés de Paris Habitat, de la CMAS, permettant notamment l'accueil d'une structure telle que la Maison du Zéro Déchet et d'un acteur désormais incontournable tel que le 12. Rappelons-nous aussi que ce projet n'aurait pu voir le jour sans la cession des terrains de l'État à la ville de Paris en 2013. La caserne, c'est aussi le résultat de ce que la gauche de gouvernement et la gauche municipale peuvent produire d'abouti et de réussi. Un grand projet à l'image de notre vision de notre ville et de nos ambitions. Un morceau de cité ouvert aux ambitions écologiques affirmées avec une place donnée à chacune et à chacun, enfants, habitantes et habitants, voisines, voisins, visiteurs, promeneurs. Une place particulière a également été donnée aux femmes qui ont fait notre histoire dans des nouvelles dénominations qui ont pu y être réalisées. Jacqueline Giraud, Marie Registard, Emma Calvé, Martha Desrumaux. Inutile de vous préciser que c'est pour mon plus grand plaisir. Ce projet a été minutieusement dessiné dès 2013 par les exécutifs municipaux qui se sont succédés, en partie représentés aujourd'hui, mais aussi en concertation avec de nombreux habitantes et habitants et acteurs locaux qui s'étaient engagés dans la dynamique démocratique et citoyenne portée par la maison du projet. Nous leur devons cette réussite et nous avons pour mission de continuer à faire vivre cet ensemble au quotidien, de garantir la vitalité de ce quartier et de poursuivre sa transformation avec les nouveaux habitants et habitantes de notre arrondissement. Je remercie tout particulièrement Paris Habitat d'avoir persisté dans l'organisation de cette célébration à laquelle je suis très honorée de prendre part. Aux côtés de toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet, les équipes de Paris Habitat, maîtres d'ouvrage d'excellence, les architectes, les élus, avec une pensée particulière pour Catherine Baratti-Elbaz et Richard Bouygues, ici présents, mon premier adjoint, les habitantes et les habitants, ainsi que les acteurs économiques associatifs présents ce jour. Notre coopération est la clé de la réussite des projets d'une telle envergure à l'échelle parisienne. En tout cas, je suis particulièrement fière d'ouvrir cette inauguration aujourd'hui et je vous remercie pour votre ténacité, votre énergie et vos engagements à toutes et tous. Merci. Hop, hop, voilà.
Merci beaucoup, Madame la Maire. Je vais être très court. Ma voix m'interdirait de parler trop longtemps. C'est la rentrée, je suis en pleine forme, mais la voix ne le montre pas. Nous sommes sur un site qui est tout à fait exemplaire. D'abord, j'ai un souvenir précis de la fin 2012, lorsque François Hollande décide d'accélérer la décote de terrain d'État, considérant que se priver d'opportunités pour les collectivités territoriales de créer du logement, notamment des équipements publics, des services publics, était quelque chose que nous ne pouvions pas nous permettre. Et nous avions à l'époque visité ce site avec Jean-Marc Ayrault, avec Bertrand Delanoë, avec Cécile Duflot. Il faut se rappeler ce qu'était ce lieu, parce que moi j'habite le 12e depuis très longtemps, on ne le connaissait pas parce qu'il était ceinturé par une enceinte militaire. À l'époque ici, c'était une immense chape de goudron. Il y avait des préfabriqués, vous voyez, qu'ils avaient été fabriqués il y a fort longtemps, qui servaient finalement très peu. Ce site, pendant des dizaines d'années, a été sous-exploité. Ce site est un lieu historique du 12e. Il faut se rappeler que c'est ici qu'a été implantée la première industrie verrière et miroiterie sous Louis XIV. Usine qui, devenant prospère, a déménagé à Saint-Gobain, d'où cet héritage industriel qui a fait aussi le prestige de la France, et avant de faire celui de la France, il a fait le prestige du 12e. Lorsqu'on a construit ce projet, grâce Emmanuel Pierre-Marie l'évoquait à l'instant, à Michel Blumenthal d'abord, à Catherine Baratti-Elbaz, à Richard, à Yann Brossa, à Paris Habitat et aux très nombreux partenaires qui ont désormais rejoint ce projet, nous avons voulu en faire un petit pari à l'image du pari que nous souhaitons. Et c'est un pari de mixité d'usage, évidemment bien sûr principalement des logements, des équipements publics, des lieux de vie, de convivialité qui permettent aussi d'attirer tout le monde et aussi d'attirer de très loin, parce que beaucoup de gens viennent désormais de très loin de Paris pour venir visiter ce lieu, et il m'est fort plus agréable de l'entendre résonner de ces cris d'enfants que du pas des militaires. Et donc c'est un projet qui, à tout point de vue, est exemplaire, et j'espère, d'abord il a été honoré par de nombreux prix qui témoignent de sa qualité exceptionnelle, et nous avons l'ambition de faire en sorte qu'ils nourrissent bien d'autres projets dans le 12e et à Paris. Merci à tous de votre engagement, de votre implication. Et voilà, vive la caserne de Reuilly pour tous les Parisiens et pour le 12e. Merci. Bien, bah écoutez, donc je suis avec Ilia, je suis le président de Paris Habitat. Je suis du coup très honoré d'inaugurer ce lieu, même si j'ai eu l'occasion d'y venir. Moi, je voulais souligner, pour ne pas rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, peut-être souligner, d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos habitants, les familles, les artistes, les étudiants, les commerçants. Donc, bienvenue à tous, ça a dû être fait, mais c'est toujours bien de le redire. Ensuite, je voudrais juste rappeler qu'au milieu de tout ce qu'Emmanuel vient de rappeler, il y a eu aussi ici, pendant 2 ans, une occupation intercalaire faite avec le Centre d'Action Sociale Protestant, qui a vraiment servi de tremplin à beaucoup de familles, dont certaines d'ailleurs sont probablement logées ici aujourd'hui, parce que je sais qu'à l'époque, Catherine Baratti, la mère, avait été très attentive à ce qu'il y ait une cohérence dans l'occupation et dans la suite. Donc c'est vrai que quand on peut utiliser des lieux comme celui-ci dans ces périodes intermédiaires pour loger des gens qui n'ont pas de logement, c'est vraiment une belle chose. La deuxième chose, c'est que ce chantier, là aussi, fait une belle part à un chantier d'insertion. Donc là aussi, c'est comment remettre, avec des entreprises, je dirais, ordinaires, comment remettre le pied à l'étrier de gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc, en cela aussi, après tout ce que vous avez dit, ce chantier et ce lieu est vraiment une jolie histoire à raconter. Ensuite, simplement, hein, moi, je crois qu'il faut se féliciter de la mixité qui est ici, qui permet à des gens de tous horizons, mais aussi à des commerces, de s'installer, et puis l'ouverture du lieu. Moi, je l'ai visité en parisien un dimanche, et c'est vrai que c'est très très agréable de se balader là. Et je pense que, voilà, Emmanuel l'a dit, mais il y a beaucoup de monde qui passe maintenant sur ce lieu. Voilà, donc un peu jaloux comme maire du 20e de ne pas avoir une caserne comme ça à transformer, mais on trouvera d'autres sites, évidemment, et on est très très content de venir ici. Enfin, et pour ne pas être plus long, je voulais me féliciter du travail que mènent nos gardiens sur le site. Parce qu'un gardien, vous savez, c'est la personne, quand on va voir qu'on a un problème, et c'est la personne sur qui on compte quand on a des ennuis, et puis qui veille aussi à ce que justement le site vive bien. Donc je voulais les remercier, je ne sais pas où ils sont.
Yacine et Eric. Et peut-être même que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre... Si les amis le permettent, peut-être vous pouvez venir vers nous et puis nous dire un mot sur comment vous vivez, vous, d'être ici. Alors, je vous ai épargné le fait que Paris Habitat est le plus gros opérateur social de la ville avec ses 125 000 logements. Mais tout le monde le sait, mais on est très contents, nous, d'être Paris Habitat, l'un des trois gros bailleurs de la ville de Paris. On est un outil qui a pour objectif d'abord de servir les Parisiens. Je vous laisse la parole, si vous voulez nous dire deux mots. Merci. Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Eric, et là mon collègue à côté de moi, Yacine. On est les gardiens, on est là depuis le début. Alors en fait, pour dire la petite histoire, nous on est arrivés avant que les gens rentrent, qu'ils soient les premiers locataires. En fait, on est arrivé, on est là depuis le début du projet. Donc voilà, on a porté ce bébé avec tous nos collaborateurs qui nous ont aidés, bien sûr. Voilà, notre gérante, monsieur Malvial, puis bon, tout le monde, hein, bien sûr. Donc là, tout se passe bien. Voilà, faut dire ce qui est, tout se passe bien, ça vit très bien. Les gens sont très heureux, comme vous pouvez le voir. Ça vit bien, les enfants, les gens. Voilà, je veux dire, il y a une très bonne ambiance. Ça fait comme une sorte de mini-ville dans la ville. Donc voilà, que vous dire de plus, Yacine, tu vas rajouter un mot? Bienvenue à tous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Quelques mots à mon tour. D'abord, bien sûr, pour vous souhaiter la bienvenue. Et on est, comme élu du 12e, élu à la mairie de Paris, très très heureux d'avoir réussi à faire aboutir ce magnifique projet de la caserne de Reuilly. Et je voudrais vraiment saluer les équipes de Paris Habitat qui ont fait un travail formidable. C'est donc une grande fierté pour nous. D'ailleurs, regardez, il y a même la télé coréenne, sud-coréenne, qui est là pour saluer notre travail. Et donc vraiment une grande joie de voir ces familles, vous qui êtes là, qui auparavant habitaient souvent ailleurs et qui aujourd'hui avaient un beau logement, un logement qui a une taille correcte, une chambre qui permet aux enfants de jouer, de faire leurs devoirs. Enfin bref, vous n'avez plus aucune excuse maintenant pour ne pas réussir vos études. Et donc ça fait vraiment, ça fait très très plaisir. Et puis ça donne envie de continuer, et il se trouve qu'il y a d'autres projets de transformation de casernes. Il y en a une qu'on a déjà transformée dans le 3e arrondissement, c'est la caserne des Minimes, grâce aux équipes des logiciens, qui a été transformée en 70 logements sociaux. Et puis il y a un autre projet qui va démarrer, cher Stéphane, cher Eric, puisque c'est Paris Habitat qui le fait, c'est la caserne Exelmans dans le 16e arrondissement, qui va être transformée en logements sociaux, hein, dans un arrondissement qui en a trop peu, le 16e, mais qui progressivement rattrape son retard. Donc à la fois la grande joie d'être ici, et puis la grande envie de continuer à mener ce travail. Et une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Merci.